Dépêche-toi, tu n'as plus que 5 secondes pour liker cette vidéo et t'abonner à ma chaîne YouTube si toi aussi t'as à avoir le pass saison 3 gratuitement sur Fortnite Battle Royale. Hey, bien salut tout le monde, c'est Fintex, j'espère que vous allez bien. Bien écoutez, pour ma part, j'ai vraiment super bien. Comme vous avez vu au titre et miniature de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve sur Fortnite Battle Royale, simplement pour une toute nouvelle vidéo. Mais comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche de notification. Voilà, ça vous fera vraiment super plaisir. Merci à toutes les personnes qui penseront à faire cela, à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche de notification. Il y a beaucoup d'abonnés qui ont pas encore activé la cloche de notification. C'est pour ça vraiment c'est très important d'activer la cloche de notification pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos que je sors sur Fortnite. Du coup, comme d'habitude, le code créateur Fintex de BE dans la boutique Fortnite, vous allez vendre dans la boutique Fortnite, là vous allez faire soutenir un créateur et vous allez rentrer mon code créateur Fintex de BE dans la boutique Fortnite. Voilà, ça fait vraiment super plaisir. Merci à toutes les personnes qui penseront à faire cela dans la boutique Fortnite. Comme vous avez vu au titre en miniature de la vidéo, aujourd'hui on va parler du skin Aquaman, comment l'obtenir et comment faire tous ces défis. C'est officiel, le super héros bien présent dans cette nouvelle saison. Il fait partie du pass de combat tout comme le skin Deadpool lors de la saison 2. Il sera possible de débloquer son skin ainsi qu'un seul supplémentaire. Pour débloquer le skin Aquaman, c'est très simple. Il faut d'abord être possession du pass de combat. Voilà, le pass de combat il coûte 950 V-Bucks, ça veut dire 9,50€. Voilà, 950 V-Bucks dans la boutique du jeu. Une fois acheté, rendez-vous dans l'onglet pass de combat du jeu et cliquez sur Aquaman pour accéder aux défis de skin. Vous pouvez comprendre alors rapidement qu'il faudra avoir validé tous les défis d'Aquaman pour débloquer son skin. Du coup, on a simplement eu le premier défi c'était d'utiliser un vortex à la Voltilt. Je pense que tout le monde a déjà fait son défi là. Voilà, il est vraiment super simple. Ces 5 défis ne sont pas encore tous disponibles, il y en a sûrement 5 à accomplir au total. Concernant le style de skin, un seul défi sera à accomplir. On peut déjà en avoir l'utilité, plonger au-dessus de la cascade de la gorge crandeuse en portant la tenue d'Aquaman. Du coup, je pense que ça sera simplement le deuxième défi pour débloquer un prochain style qu'on aura avec le skin Aquaman. Je pense qu'il faudra simplement faire les 5 défis pour débloquer le nouveau revêtement du skin Aquaman avec son trident ou je ne sais pas quoi, j'ai oublié, c'est encore le deuxième style qui avait un corps. Et pour l'instant, il n'est pas possible de le réaliser puisque le skin Aquaman n'est pas encore disponible à l'heure que je vous parle. Du coup, simplement pour débloquer le skin Aquaman, c'est vraiment très très simple. Vous devez posséder le pass de combat, c'est forcément logique, et accomplir tous ces défis. Il y a simplement un défi de 5 défis. Voilà, accomplir les 5 défis, c'est vraiment hyper rapide. Il y a déjà un premier défi, c'était utiliser un vortex à la Voltilt. Ouais, je pense que tout le monde l'a déjà fait, il est vraiment super simple à réaliser. Pour les personnes qui n'ont pas encore fait, je vous mets un petit gameplay à quoi on pourrait faire. Voilà, c'est vraiment très simple. Vous allez vendre au vortex et là, vous avez juste à l'utiliser. Voilà, c'est vraiment très très simple pour obtenir simplement le premier défi. Voilà, le premier défi validé. Voilà, c'est vraiment un défi vraiment super rapide. Pour les prochains défis, alors que je parle, on sait pas encore quand ils vont sortir, etc. Mais on sait déjà que le prochain défi, on devra simplement plonger au-dessus de la cascade de la gorge grandiose en portant la tenue d'Aquaman. Du coup, voilà, pour obtenir la tenue Aquaman, c'est vraiment hyper simple. Vous devez beaucoup jouer à Fortnite. Voilà, il passait vraiment beaucoup de niveaux, c'est un peu logique. Du coup, c'était Fintex. En tout cas, vraiment, j'espère que ces petites vidéos sur le style d'Aquaman, comment le débloquer, etc., vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube, code créateur Fintex, BE dans la boutique Fortnite. Voilà, ça fait vraiment super plaisir. Allez, ciao tout le monde.